Bonjour, pour célébrer les 10 000 abonnés de ma chaîne YouTube, les tutos aquarelles Jacques Villiers, j'ai décidé de refaire un olivier à l'aquarelle, car ce fut la première vidéo que nous avons mise en ligne, voilà déjà 7 ans. Cette fois-ci, nous allons refaire un olivier dans les mêmes tons, mais dans le mouillé sur mouillé. Donc, j'ai commencé à mouiller la feuille en premier. Et après, je pose du bleu de céruléum, du cobalt, un peu de violet, et je laisse circuler le pigment. C'est important que le ciel ne soit pas trop lourd. Je me lance ensuite sur l'herbe qu'il y a au pied de l'olivier. Je commence par de l'ocre, du jaune auréoline, du jaune de Naples, de façon à avoir plutôt des herbes sèches. Je mets un tout petit peu de vert brillant, qui est assez proche du green gold. Je place progressivement des touches pour faire un fond derrière l'olivier. Donc je commence par du bleu outre-mer, un peu de bleu indentrène. Et j'en profite pour placer un tout petit peu d'ombre sous l'olivier. Toujours en arrière-plan, je rajoute des touches de vert olive, de bleu outre-mer, quelques touches légères de violet. Et je laisse le pigment voyager dans l'eau. Je n'ai pas tout à fait mouillé l'olivier, ce qui fait qu'il y a des endroits qui resteront blancs, immaculés. Et je commence par quelques touches de jaune de Naples et de vert de cobalt. Je vais donc laisser des éclats de blanc dans le feuillage, tout en laissant pénétrer sur les contours les couleurs aux alentours, c'est-à-dire des bleus qui pénètre légèrement et qui sculpte la forme du feuillage de l'arbre. Avec la pointe du pinceau, je fais ressortir des contrastes avec des bleus plus appuyés. Je remets un peu de pigmentation sur le ciel, du bleu outre-mer avec un peu de violet, parce qu'en séchant, la couleur a un peu pâli. Je vais reprendre, tout en suivant le cycle de l'eau et l'absorption de l'humidité par le papier, je retouche un petit peu l'herbe par des touches de vert, green gold. Je retouche le fond et cette fois, je mets du bleu indigo. Je laisse diffuser. Toujours de l'indigo, un peu de violet, et je reprends l'ombre sous l'olivier. Toujours dans les bleus et un tout petit peu de vert de périlène. Il ne faut pas abuser du vert de périlène car il a tendance à ternir en séchant. Je reviens sur l'arrière-plan, toujours en faisant fondre les verts et les bleus. Là, il s'agissait de verre de vessie. Donc, j'observe le cycle de l'eau. Et avec un pinceau plus fin, je vais essayer de faire quelques touches d'herbe un peu plus précises. Le papier n'est pas totalement sec, il est encore humide.
Donc c'est du green gold, c'est du vert olive. Et j'essaye de donner un rythme, un mouvement, un dynamisme à la masse d'herbe sous l'olivier. Il faut jouer à la fois sur les effets de diffusion naturels et sur le mouvement du pinceau qui doit épouser ses formes et ses directions. L'olivier est pour l'instant encore très suggéré. On va y revenir plus tard. Je vais laisser quelques blancs apparaître dans le tronc et avec un pinceau plat et fin, je vais sculpter le tronc de l'olivier avec du gris de pin et du caput mortuum. Il est important de laisser des endroits plus blancs et secs. Et là, je rajoute un peu d'indigo et de brun sépia pour pouvoir foncer sous le feuillage. Donc comme vous pouvez le voir, l'arbre a gardé des zones blanches. Je vais les garder et je vais retravailler la lumière et les ombres à l'intérieur de l'olivier. Je reprends la base foncée à partir de bleu indigo pour sculpter la forme du feuillage de mon olivier. Les touches doivent donner la direction et la spécificité des feuilles. Je ne perds pas de vue le séchage et le cycle de l'eau, donc je remets un peu d'eau de temps en temps pour chasser la couleur qui descendrait trop bas. Je fais quelques petits retraits pour ouvrir des blancs dans les masses sombres et créer des troncs de feuillage dans l'arrière-plan. Il faut continuer ces opérations tout au long du séchage progressif de la feuille, car les retraits que l'on fait varient selon le moment, dans l'intensité, dans la précision. Pour cela, il faut que le pinceau soit très fin et très rigide. J'en profite pour rajouter quelques feuilles blanches sur les pourtours de l'arbre avec des mini retraits. Pompe pour donner davantage de lumière derrière l'olivier. Et je remets un peu de coloration. J'essaye de supprimer l'auréole qui s'était formée en travaillant l'aspect
d'herbe dans le sens des herbes qui poussent. Et je continue à fignoler par quelques petites branches en arrière-plan. Pour rajouter un petit peu de couleur, on va dire qu'il y a comme des arbres de Judée derrière, ou des lauriers roses, comme vous voulez. Donc je mets des taches de rose et de mauve, mauve permanent et rose permanent. Et je les laisse diffuser dans l'humidité du papier. Alors vous voyez l'arbre apparaître de plus en plus, donc tout en suivant et en observant les couleurs qui sèchent et qui deviennent moins vibrantes, moins puissantes, je rajoute toujours du bleu indigo, parfois mélangé avec du vert olive, parfois mélangé à du terre d'ombre, de façon à ce que ce ne soit pas du vert cru que je mets sur le feuillage, ni du bleu trop puissant. Je garde toujours cette forme de pinceau plat pour m'aider à faire les feuillages. Pour aller vers la fin de la construction de l'arbre, je place quelques branches interrompues, jamais continues, puisqu'elles sont masquées par le feuillage forcément. Je rajoute un peu de foncé sur les racines, sur le tronc, sur les branches. Et plus l'aquarelle avance, plus on se concentre sur des petits détails, des aspects de feuilles spécifiques à l'olivier, la façon dont les feuilles se détachent sur le fond. Je termine au pinceau très fin. Pour ces petites choses essentielles que l'on ne voit pas toujours, mais qui permettent de faire ressortir l'essentiel d'un arbre. Cette aquarelle est maintenant terminée. Sur l'image finale, vous pouvez voir que j'ai rajouté plus de fleurissement derrière l'olivier, pour égayer un peu l'ensemble.
à bientôt pour une nouvelle vidéo.